Denil, avec des deux nœuds dans son dos. Denil toujours. Petit crochet, donne le ballon à Pister. Pister qui s'entraîne un temps pour Van der Linden, qui remet à Fouquet-Boy le premier but. Non, la sortie de Van der Waal devant Fouquet-Boy. On joue depuis 7 minutes. Première possibilité gantoise. 4 contre 3 pour l'instant. Karacic n'accélère pas. Il donne à gauche vers Cueil dans la pointe de vitesse. Ce n'est pas extraordinaire. Le centre, le but, non. Le réflexe de Van der Waal sur cette petite déviation de Mark Van der Linden. À Bales, Tamata, belle fin pour Almaï qui redonne à Pierre qui va marquer le tir croisé, trop croisé, tir de Frédéric Pierre. Un peu plus d'une demi-heure de jeu dans cette partie. Dédeneux pour le coup franc du Germinal, la tête de Talbut et le pied de De Meyer devant la ligne. Dowen, Berfoots devant lui, Dowen qui cède malheureusement mal. Oh là, et Dédeneux qui redonne à Dowen. Dowen qui s'infiltre et qui centre. Au second piqué, la tête de Fouquet-Boy un peu trop piqué. Elle a rebondi devant Philippe Van der Waal et est passée au-dessus de la cage. On rejoue depuis 5 minutes. Coup de coin pour le Germinal Ekeren avec Jean-Marie Abel. Ce pied droit, au second piqué, la tête de Talbut et le but. Talbut, quelle détente, quelle synchronisation. Talbut qui ouvre la marque sur ce coup de coin botté par Jean-Marie Abel. Superbe tête du numéro 2, Marc Talbut. 1-0 pour Ekeren. L'espace d'un coup franc, je suis sûr que le Germinal Ekeren voudrait bien transférer Karacic dans l'autre camp. Le mur ne me paraît pas du tout à la distance réglementaire. Quoi qu'il en soit, des deux nœuds, pied gauche travaillé, ou Tamata, pied droit. On hésite, on tergiverse. La talonnade, le pied gauche, à ras de terre à côté de l'objectif. C'est pas passé loin. 25 minutes de jeu en seconde mi-temps à Bales pour ce coup franc de Meyer de la tête. La reprise de Dédeneux, le but. Oh, ce plan guide, reprise de Dédeneux. Il était isolé un petit peu en retrait. Tire juste devant le rectangle. Ballon brossé. Il n'a laissé aucune chance à Zolte Petri. 2-0 pour Ekeren. Alain Denil. Le centre de Denil et la tête de Bosmans. Récupéré par Herman qui tente sa chance de loin. La déviation de Van der Waal. Le tir était cadré. Qui a double crochet d'Abels. Le centre et l'intervention. Le but d'Allemagne. Non. Dowen qui dégage. Petri n'était pas très sûr sur cette intervention. Coup franc pour Gand. Probablement la dernière occasion de sauver l'honneur. Avec Verheyken derrière le ballon, beaucoup de monde dans le rectangle bien sûr, les grands formats, comme Dowen par exemple, la sortie de Van der Waal impeccable. Score final de cette partie, victoire d'Ekeren, 2-0.